Bien-aimés dans le Seigneur, peuple à Jésus, en poussant la vivre, nous disons bonsoir et nous saluons dans notre précieux Sauveur-nous, Jésus-Christ, qui t'est mort pour être capable de nous la vie. Et nous disons, mon Dieu, merci pour jour ça qui c'est vendredi 10 juin 2022, côté que l'y fait nous, et en jouant plus toujours dans l'année ça. Qui c'est année 2022 ya. Et nous connaissons que chaque jour il y a des serviteurs et servantes qui partagent rubrique sous groupe là. Et ben jeudi à là c'est moi-même et qui gagne mandat pour moi partager rubrique là ensemble avec nous. Mais juste avant nous à saluer et madame pasteur qui c'est Sœur Gina Charles, membre fondateur groupe ça, et n'a salué aussi Pasteur Charles, et Jimmy Charles, qui c'est un autre membre fondateur. Moi, salué combattant yo, et Frère Figaro, Frère Rio, Frère Janvier, Frère Oudmarie, Frère Dossé Désir, Frère Mécanol Clergé, Frère Joël Maslin. Et m'a salué frère Calix Jocelyn, moi salue sœur Richnaïka, moi salue sœur Denis, moi salue sœur Bernadette, moi salue et frère Louis-Marie Jean, moi salue frère Roland Marius, moi salue frère Samuel, et moi salue Jack Siméon, pasteur Célestin, madame pasteur Célestin, moi salue sœur Tazi, et évangéliste Xanor, frère Valco, moi salue et frère Guillaume, moi salue frère Michel, moi salue sœur Lumène, moi salue et sœur Rose, moi salue la sœur Dolly, moi salue frère Abnel, moi salue et sœur Libonaise, moi salue sœur Yannick, enfin moi salue tout mon net en général qui sous réseau Jésus 100% la vie roi. C'est un plaisir pour nous ensemble et c'est un plaisir tout pour nous capables de porter rubrique là, la carou, jeudi, et nous apprendre un pile action de grâce avec Seigneur Noir, qui est toujours présent à chaque instant et qui ne va jamais quitter petit de rentre. Bon Dieu bénis nous tous, qui se groupe Jésus 100% la vie. Yon l'autre salutation avec nous. Nous-mêmes qui sur réseau Jésus 100% la vie, oh. Et voit ça qu'a pas la voilà là, c'est évangéliste Lubin Rigueur qui rentré sur réseau Jésus 100% la vie, oh, qui pourrait le porter rubrique là pour aujourd'hui. Et rubrique là aujourd'hui là, et l'a gagné titre vivre ensemble. Ok, c'est sujet ça que nous pourrions porter pour vivre ensemble. Et nous pourrions définir vivre ensemble en pour. Et nous pourrions dire, nous pourrions gagner comme premier point qui ça vivre ensemble là. Comprendre. Après ça, nous pourrions gagner exemple de vivre ensemble. Ok. Et puis nous pourrions comment la Bible comprend Moussa qui se vive ensemble à travers le psaume 133. Et c'est tout point ça que nous pourrions développer pour ou même qui fait partie du groupe Jésus 100% la vie. Vivre ensemble par définition, c'est cohabitation harmonieuse entre individus ou entre communautés. En par exemple, la fête à des voisins se veut une initiative propre à favoriser le vivre ensemble. Et nous capables de prendre un exemple plus clair, gagner une série de pays, les voisins ou voisins fait venir rester dans une communauté, ça le fait l'icône organiser et en fait yo fait appel, yo passer annonce et puis yo organiser
ayant fait la communauté à juste pour être capable et faire plus connaissance entre eux et l'autre. C'est-à-dire pour être capable bien plus harmonie entre eux parce que yo na communauté a yo appelé pour yo cohabiter ensemble, yo appelé pour yo vivre ensemble. Et ces mêmes gens et avec un groupe religieux tout, pas oublier l'église, l'église c'est une communauté et communauté ça li gagnon ensemble de monde qui sorti tout côté qui viennent là-dedans. Ça veut dire qui sorti dans divers et endroits. Ça veut dire puisque yo sorti dans divers endroits, yo pas gagnon même comportement, yo pas gagnon même attitude. Ça veut dire yo réagi en fonction de zone que yo sorti. Mais là yo vinn entrer dans communauté ça qui c'est l'église. Mais qui s'est passé, l'église pour elle former pour apprendre vivre ensemble parce que vivre ensemble là c'est cohabitation harmonieuse entre individus ou entre communautés. C'est-à-dire que nous dans communauté là faut nous capable vivre en harmonie yon l'autre et sans pas gagner division. Vivre ensemble c'est quoi? C'est quoi vivre ensemble? Et selon un psychologue qui est Catherine Rouillet, eh bien, vivre ensemble n'est pas seulement rentrer dans l'action que nous pouvons citer, promouvoir des valeurs, développer la solidarité, réorganiser notre vie commune sur la terre, former à la citoyenneté, prévenir les conflits, respecter les cultures, les religions, renforcer la volonté des individus à être des acteurs, apprendre à chacun à reconnaître en l'autre la même liberté qu'en soi-même. L'idée pas seulement ça, seulement en dans vivre ensemble, mais aussi l'idée ça relève la tolérance. Parce que sans tolérance, tout ça, nos sociétés là, pas capable de gagner, tel que nous avons parlé de promouvoir des valeurs, développer la solidarité, réorganiser notre vie commune sur la terre, former à la citoyenneté, prévenir les conflits, respecter les cultures et les religions, renforcer la volonté des individus à être des acteurs, pas des spectateurs, apprendre à chacun à reconnaître à l'autre la même liberté qu'en soi-même. Les dit, certes, ça fait partie de vivre ensemble, mais il n'y a pas seulement ça. Il faut que ça ait la tolérance. Et tolérance pour qui ça pour capable d'accepter et toutes sortes de différences. OK? Surtout les différences d'opinion et laisser pas de jugement. Et pas bien mépris. C'est tout ça capable de faire dans sa relé respect yon pour l'autre. Et sa relé la compréhension et l'ouverture d'esprit. Avec des nous là pour nous partager idées nous et puis pour yon capable de comprendre l'autre. Et yon l'autre monsieur qui relé David Jari, les mêmes lui dit comme ça que. Et tolérance là li pa dwe accompagné de sa relé yon simple manifestation d'une supériorité faite de condescendance. Là nous parlons de manifestation OK faite de condescendance là, c'est-à-dire que li pa dwe gen sa relé arrogance. OK, et en da tolérance là pas de gen sa relé arrogance, c'est-à-dire que ou pas fait pour arrogant yon doit comprendre l'autre. OK, d'une supériorité faite de condescendance, c'est-à-dire arrogance, pour pas paraître tant que yon monde k'ap montre tolérant et pourtant c'est pas vrai. Et ben li nécessaire pour nous croire sincèrement dans l'autre, avait dit que pour nous
appliquer pour voir ça qui se croit sincèrement yon l'autre. Que nous connaît que nous gagnons même valeur, ça est les principes d'égalité dans toute différence, dans toute différence là. Mais tolérance là, c'est contraire de méfiance selon David Jerry. C'est contraire de méfiance, c'est-à-dire que faut ne pas gagner méfiance en d'en vivre ensemble, mais pour nous gagner ça relé la tolérance. OK? Et là ça n'a pas capable et vivre ensemble la marcher en harmonie. Maintenant, exemple de vivre ensemble. Et pour capable ouais comprendre ça crée les vivre ensemble. Et nous pourrons avoir quatre exemples. OK? Quatre façons pour nous capables et puis pour vivre ensemble, manifester la chaos. Premièrement, ou doué un monde qui généreux et puis qui s'entraider et partager. C'est-à-dire être généreux, s'entraider et partager. Qui ça veut dire et s'entraider? S'entraider nous connaît, c'est un monde qui là qui peut aider et c'est un monde qui soutenir mutuellement. C'est-à-dire que en dans vivant ensemble, nous devons paraître généreux, c'est-à-dire n'a partager avec l'autre et puis n'a soutenir yon l'autre. OK? N'a soutenir yon l'autre, n'a supporter, n'a pas accompagner yon l'autre. Et deuxièmement, c'est prendre soin de soi et des autres. Même gens ouais, ou prend soin de toi et ben c'est comme ça tout, ou prend soin l'autre monde dans tout. Et nous t'as souhaité que l'église dans sens ça les jeux ou les propres parce que l'église nous connaît l'y appeler comme l'y paraître comme colonne et appui de la vérité dans le monde et l'église est basée c'est vraiment bon Dieu à tout cœur à tout dans moi tout esprit et puis vraiment prochain comme toi-même et même deuxième point en exemple de vivre ensemble ça l'y entrer c'est l'y correspondre avec même et deuxième bar qui c'est dans la croix qui n'en vivent ensemble selon et Jean Jésus-Christ te réduit commandement en deux te dire mais prochain remet bon Dieu d'abord avec tout amour avec tout cœur à tout esprit et puis deuxième là dis comme ça remet prochain comme tête pas. Eh bien, dans vivre ensemble, c'est prendre soin de soi et des autres. On doit prendre soin de tout et puis on prend soin des autres tout. Ça veut dire tout ça vous voulez pour vous, tout le gens on va aller vous même, eh bien c'est comme ça tout on aider l'autre là tout. Et ça permet nous mieux vivre ensemble. Et troisièmement, c'est respecter la vie privée des autres. Être tolérant. Des fois, nous parler yon l'autre mal trop, on comprend, nous pas, nous sal yon non moun n'importe comment, nous pas respecter moun nan, ok? Nous pas respecter vie privée, depuis nous connaissons bagay de moun nan, nous tout prêt à parler le mal. En bien dans vivre ensemble, nan gessa ou les tolérances, ok? C'est tolérance, ça nous doit comprendre et vie mon et puis accepter condition mon hier et puis pour capable respecter la ville ça veut dire que sous pas accepter condition mon ou pas paraître tolérant les autres pour critiquer c'est-à-dire que et quel que soit type de monde mon n'a t'gain doyer ou doit remel ou doit apprécier et me suivant pile et chrétienne depuis mon nom seul monde qui j'ai mis yo c'est monde qui accepter Jésus comme sauveur personnel c'est seul monde ça qui dit bonjour c'est seul monde ça qui saluer c'est seul monde ça qui parle avant
Mais pas gain ça dans vivre en semblant. Parce que vivre en semblant, li gen sa rele tolérance. Vous comprenez, li gen sa rele respecter la vie privée des autres. Vous comprenez, li gen sa rele vivre en harmonie. Vous comprenez, s'entraider et partager. Et quatrièmement, li gen sa nou rele être tous ensemble, ne pas exclure les autres. Oui, en pile mon remè, puisque mon n'a pas dans champ là. Remè pousser mon nan. Ok, non, pas gen exclure. Nous tous seyon seul nous et vivre ensemble c'est gars c'est ouais mon nan même genre il y a pas regarder mon nan comme un monde qui inférieur ou même mais regarder comme un monde qui égal à vous. OK, nous doué là ensemble. OK, et puis pour bien nous retirer une l'autre vivre ensemble selon Psaume 133 et gagne un paquet de bénédictions qui accompagne et monde qui vivent ensemble. OK, dans le Psaume 133 qui ça lui dit? Il dit consacré voici oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour toute l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'on a pratiqué principe de vivre ensemble, qui est résumé dans la croix de Jésus, et en parlant de et les serviteurs te dit mettre et qui ça qui est plus grand dans commandement yo et ben Jésus t'a expliqué le commandement et c'est vrai gagner 10 commandements mais dans le Nouveau Testament et Jésus t'a réduit en deux et deux à travers premier objet 5 premiers commandements et à travers le deuxième nous avons l'autre 5. Eh bien, li sous une forme de quoi? Et horizontal et vertical. C'est-à-dire que horizontal, remè bon Dieu à tout cœur, à tout âme, à tout esprit ou, et puis vertical, remè prochain comme tête par. Automatiquement remè prochain ou apprendre qui Jean pour vivre avec et prochain pas seulement mon qui l'église mais prochain c'est individu que va fréquenter chaque jour prochain pas seulement l'église mais prochain li dans communauté qu'autorité a ça qu'arrivé communauté qu'autorité a ou jeune toutes sortes de monde là-dedans qui doit pas forcément c'est croyant et qui même doctrine avoir on va prendre qui même croyance avoir qui pral vivre là-dedans nous pral joindre toutes sortes de monde mais laisse ça nous supposer mettez-nous en harmonie pour nous capables de vivre ensemble. Parce que automatiquement, nous vivons ensemble. Et bien, bénédiction cap découler. Nous j'en dans le psaume 133. Ok, le verset 3. Petit B, il dit car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour toute l'éternité. C'est-à-dire que automatiquement, et n'a pratiqué le vivre ensemble. Mais c'est en dedans vivant ensemble ça bon Dieu a voyé bénédiction et puis la vie pour toute l'éternité c'est comme ça bien aimé et dans le Seigneur membre groupe Jésus 100% la vie la Bible parlez-nous de comment et qui bénédiction qui gagne les nous à vivre ensemble là. Bien-aimé dans le Seigneur, et rubrique la censée arriver dans la fin, et nous remercions ou même qui pourra faire lecture, et rubrique ça pour jeudi à la. Et rubrique là, était basée sur ça, relève vivre ensemble, et nous t'es défini vivre ensemble pour vous, et nous t'expliquons qui ça qui vivre ensemble. OK et puis notez pas l'ordre des exemples de vivre ensemble
Et nous te prenons plusieurs exemples avant. Nous te disons être généreux, s'entraider et partager. Ça a été première. Deuxième, nous te parlons de prendre soin de soi et des autres. Troisième, nous te parlons de respecter la vie privée des autres, être tolérant. Et puis quatrième, nous te parlons être tous ensemble, ne pas exclure les autres. Maintenant, tout ça, nous te chita sous tolérance là, pour nous montrer que si pas gagné tolérance entre nous, pas gagné yon sa yon. Ok, et nous te prenons exemple et forme de vivre ensemble selon la Bible. Nous te prenons le psaume 133. Automatiquement, on a appliqué ça à les vivre ensemble. Et bien, c'est là que le Seigneur a voyé bénédiction et la vie en abondance pour nous toutes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un et l'important, ok, pour nous. Appliquer ça à les vivre ensemble et pas vivre ensemble sous forme d'hypocrisie, pas montrer à l'autre qu'on aime le vrai pourtant c'est pas vrai, parce que vivre ensemble c'est aimer mon la même genre aimer tête pour la tout. Ça veut dire sauf pas vouloir pour vous, pas vouloir pour mon là, ok, sauf aimer des ou à faut qu'on capable aimer pour mon là. Et puis faut nous tolérants mais bien aimés, ok, faut nous très généreux. Et puis pour nous partager yon l'autre, pour nous yon comprendre l'autre, parce que si communauté nous à côté n'a vivre là, nous te comprendre yon l'autre et nous retrouver nous était quoi que pays nous Haïti pas tap na état qu'il y a, c'est parce que pas gen sacré les vivre ensemble dans pays nous qui fait que pays nous capable gon pays comme ça, c'est-à-dire pays d'Haïti vivre ensemble c'est comme si formation ça pas faite pour nous-mêmes qui vivre dans le pays d'Haïti. Mais à partir de jeudi, nous voyons que l'importance que vivre ensemble en gagne là-dedans. Et bien nous-mêmes qui sommes réseau, Jésus 100% la vie, si nous t'es manqué et dans sacré les bagages pour nous conquérir, pour nous vivre ensemble. Et bien à partir de jeudi, ça, à partir des rubriques que nous pourrons attendre là, et m'espérer que n'a pas capable comprendre ça que les vivre ensemble et n'a pas importance ça qui vivent ensemble et les nous vivent ensemble les nous vivent en harmonie. Et ben c'est là que Seigneur a voyé bénédiction et la vie pour toute l'éternité. Que bon Dieu bénisse nous chaque, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu couvre nous, que bon Dieu fait nous passer une excellente fin de journée en bas protection. Serviteur qui t'a pas la voix là, c'est évangéliste Lubin Rigueur qui a souhaité nous passer une bonne soirée accompagnée de bénédictions. Nanon Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir.